Regarde. C'est tout ce qu'un homme a dans ses poches. Regarde. Et tu appelles ça homme. Hein? Ça là. Est-ce que ça vaut son petit déjeuner pour un seul jour? Avant que je n'ouvre mes yeux, dégage de ma maison. Cancer et médecin sans rond. Et t'es quoi? Médecin sans. Pardon, ramasse ta poubelle, tu sois avec. Mais 500. Dems. Dems. Le gaz est fini. Le gaz a fait quoi? Le gaz est fini. Un gaz que j'ai acheté, ça ne fait même pas encore un mois. C'est fini comment? Tu manges le gaz dans cette maison? Je voulais te faire les yeux, c'est fini. Tu voulais me faire quoi? Depuis quand tu me fais les yeux dans cette maison? Dis plutôt que tu voulais te ravitailler le ventre. En tout cas, viens t'asseoir. Ma chérie, viens t'asseoir. Gars, je suis qui pour toi dans cette maison? Tu es ma grande soeur. Je suis ta grande sœur. Je gère tout, absolument tout dans cette maison. Ton habillement, c'est moi. Nutrition, c'est moi. Même ta garniture, c'est moi. Sans compter l'enfant que tu as laissé au village chez maman. Gars, je n'ai plus rien. Je n'ai pas d'argent sur moi. Dis-moi, on fait comment? Tu sais que je suis encore étudiante. Quand je vais finir, je vais trouver le travail. Il y a les étudiants qui aident leur famille, Enga. Ce n'est même pas là le problème. Il y a l'ami de Georges là. Tu sais qu'il craque pour toi. Non? Il suffit d'un coup de film, pap, et tout est réglé. Il ne m'intéresse pas. Il ne fait pas quoi? Il ne m'intéresse pas. Yeah. Regarde qui sonne là. Bonjour, B. Bonjour, grande soeur. Béa, c'est ton nom. Hé! S'assois sur la chaise de qui? Que voulez-vous, monsieur? C'est qui pour toi? Un petit. Hey! Elle vient de m'annoncer que le gaz est fini. Donc, j'ai besoin d'argent. Gars. Tu sais quoi dans cette maison? Regarde, donc c'est ça que tu me ramènes dans cette maison, gars. Rancé, je... Quand je parle, je suis la ferme. Sur tous les hommes qui a dit, c'est ça que tu as vu. Dis-moi, il te sert à quoi? Il est étudiant. Hein? Quand je parle, tu fermes ta bouche. Comment il s'appelle? Adi. C'est pas à vous que je m'adresse. Comment il s'appelle? Adi. Adi. Regarde d'abord ce que tu as sur la tête. Tu lui sais à quoi? L'ancien jeu. Ferme-la. Son habillement, c'est moi.
Sa nutrition, c'est moi. Même le bâtard que tu es venu fabriquer ici, elle est au village chez ma maman. Ouais, ouais, ça, c'est... Hey! J'espère même qu'il y a quelque chose dans tes poches. Donc, regarde. C'est tout ce qu'un homme a dans ses poches. Regarde. Et tu appelles ça homme. Ah, c'est ça, hein? Ça là. Est-ce que ça vaut son petit déjeuner pour un seul jour? Sans compter la garniture. Parce que même les garnitures de nos jours. Rien. Gars. Avant que je n'ouvre mes yeux, dégage de ma maison. Cancer et médecin sans rond. Et t'es quoi? Médecin sans. Pardon, ramasse ta poubelle, tu sois avec. Médecin sans. Gars, c'est cette histoire que tu... Dégage, allez. Regarde. Tu es obligée d'être méchante comme ça. Avec ça, je vais appeler un vrai. Je dis un vrai homme. Il va nous régler cette histoire de gaz. Tu peux aller faire tes heures. Le gaz arrive. Allô? Non, non, est-ce que tu peux envoyer ton gars là, il vient me livrer le gaz. Non, si c'est pour la bouteille, il peut juste venir changer la bouteille, rentre avec l'ancienne bouteille là-bas, non. Non, c'est vraiment urgent. J'ai ma petite soeur qui est malade et il me faut chauffer de l'eau pour lui faire des remèdes, s'il te plaît. Ok. D'accord. Merci, je l'attends. Tout à l'heure. Je vais te trouver un homme, que tu le veux ou pas. Par force, tu auras un homme ici. En tout cas, je me concentre d'abord sur ce que je sais faire mieux, de trouver un gars.